dreaming, I take a waste within my hand. And when I wake, she melts away into the sand. What meaning of this feeling? Why'd you return into the world of distant parts? We separate across the blades of glowing grass. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Salut à tous, la pluie, vous le voyez qui a fait son apparition dans le panorama, évidemment. Ça peut avoir une influence sur la qualité du jeu avec le ballon qui fuse. Au niveau, c'est le meilleur coup, oui, depuis Xavi et Iniesta. Bombarda, Fonseca, Benjamin da Silva. Comme on l'aime, revenu avec cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Et on sent l'ambiance qui est peu à peu dans le stade. Une très belle fête. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football. C'est la passion qui s'est transmise entre le terrain et les supporters. On va regarder la composition de cette formation. Excellente intervention. Voici la composition du RC Lens. Défensif pour couper l'attaque. Oh, ça peut aller au but. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Le centre dans la boîte. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Alors il y a contact, l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Ah, le centre qui est dans les mains du gardien. Ah, c'est bien cette passe par-dessus. Avec Garde. Sadio Aïdara avec une bonne protection dans le camp adverse. Concentré là-dessus. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. C'est bien parti pour ce corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Pressing haut sur le terrain. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré.
qu'il y a faute, mais il est joué. Lens peut projeter dans le temps adverse. Ah, il demande le but, il peut frapper. Et oui, le but! Le but du break! Le voilà! Ce but si important! De but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Aymen Mouefek. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. En attaque là. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Interception et récupération du ballon. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et pour finir, la conclusion de la tête du début à la fin, c'est une action magnifique. Et c'est un ballon maintenant pour le RC Lens. Pour ce centre, oui mais non, ça ne profite pas en fait. Mais c'est risqué, faut pas perdre le ballon là. Bien fait, bon pressing pour récupérer pour le ballon. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Facile pour le gardien. Le ballon change de camp. La mi-temps arrive bientôt et c'est une promenade pour l'équipe visiteuse pour l'instant. C'est un festival des couleurs, des passes et des buts. Cette équipe nous offre un spectacle magnifique. J'espère que le feu ne va pas s'éteindre en deuxième période. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. On jouera une minute de temps additionnel. Allez, la place pour tenter sa chance dans les bras du gardien sans difficulté. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre.
belle avance en faveur de Lens. C'est le début de la deuxième mi-temps. Ah, dommage, ballon perdu. Ah, il élimine son adversaire. Offensive, 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ et derrière le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Avec ce but, le score est sévère, 4 à 0. Aïmen Mouefek. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Ah ouais, suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Ah ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. C'est la fin du feuilleton, c'est un renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Bien, je ne mets pas trop de là-dessus. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Ouais, super, sans commettre de faute. Avec Picard. Ah, il demande le but, il faut frapper. Ouais, c'est bien fait, on va le danger. C'est son troisième du match, le coup du chapeau, inarrêtable, quel phénomène. Et qu'est-ce qu'elle fait la défense? Elle est partie où? Tu vois le ballon dans les pieds, il y a le feu, la seule chose que tu as à faire c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cap.